Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal des sports qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Salut à vous tous, chers amis sportifs de partout. Dans le titre, l'actualité sportive là, sur le plan national l'écologie, funérailles nationales samedi dernier à l'église Saint-Pierre-Pétionville. Pour ex-international haïtien Serge Ducos qui quitte nous à 80 ans. Sport et assistance vers les Jeux Olympiques Paris 2024 et les Jeux Paralympiques Paris 2024. Le gouvernement baille une subvention 10 millions de gouttes à comité olympique haïtien et 6 millions de gouttes à comité national paralympique. Football, entraîneur sélection féminine non, depuis 7 mois, Frédéric Gonzalez signé avec équipe féminine 2e division olympique Marseille. À l'étranger, tennis, tournoi de Bastad, de Hambo et de Gestad. Le trophée pour Nuno Gomes, Arthur Fils et Matteo Berrettini. Cyclisme, Slovène Tadej Pogacar a remporté 111e édition Tour de France. Là. Basketball, le match préparation pour JO Paris 2024. États-Unis battent Soudan du Sud sur le fil 101-100. Le football, Oscar Viegas, c'est nouveau sélectionneur à Bolivie, en place brésilien Antonio Carlos Zago. MLS, San Lionel Messi, Inter Miami, bat Chicago Fire, 2-1 samedi soir pour les prendre tête classement conférence Eslan. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive, d'abord sur le plan national, l'écologie, funérailles nationales, Serge Ducos, ancienne gloire du mondial 1974 en Allemagne, capitaine emblématique de l'Aigle Noir du Bel Air. Fête samedi 20 juillet à Pétionville. Cérémonie qui célébrée dans l'église Saint-Pierre est réunie en pile personnalité, dont le conseiller présidentiel Edgar Leblanc, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon O'Mill, le commandant-chef des forces armées d'Haïti, le colonel Jodel Lessay, du secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Patrick Masséna, et en présence des trois héros de l'épopée Tupoyo encore vivants,
Guy Saint-Ville, Marie-Léon et Philippe Vorb. La ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, Madame Nyola Lynn Sarah Devalis, Octavius qui était présent tout la cérémonie, a rend un vibrant hommage à Serge Ducos. Dans le discours de circonstance, il était adressé à dignité qui était présent, à anciens coéquipiers et aux supporters. Il était souligné l'importance de la vie bien remplie de Serge Ducos, citant Léonard de Vinci. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. Serge Ducos, qui était atteint l'âge de 80 ans, était reconnu pour sa discipline et ses qualités physiques et techniques exceptionnelles. Joueur de la sélection nationale de 1974 et membre de l'Aigle Noir Athletic Club, était marqué l'histoire du football haïtien, non seulement par ses performances, mais tout et son dévouement. Après sa retraite en tant que formateur, né le 4 février 1944 au Bel Air et décédé le 5 juillet 2024, Serge Ducos était un footballeur international haïtien qui était joué au poste de défenseur dans les décennies 1960 et 70. Que son âme repose en paix. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, nouvelle ministre Jeunesse Sport avec Action Civique là, Madame Nyola Lynn Sarah Devalis Octavius, de rencontrer vendredi qui se passe à le président du comité olympique haïtien, Dr. Hans Larsen, et l'avocat du comité national paralympique, Maître Anel Rémy, une façon pour discuter de la participation d'Haïti aux Jeux olympiques Paris 2024 du 26 juillet au 11 août et aux Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre, toujours à Paris. Au cours de la rencontre, ça, Madame Octavius lui était informée des derniers détails relatifs aux délégations avant de remettre un chèque de subvention de 10 millions de gourdes au président du comité olympique haïtien et un autre chèque de 6 millions de gourdes au représentant du comité national paralympique. La titulaire du MJSAC, il y a présent d'ailleurs en cérémonie ouverture JO Paris le 26 juillet. Entre-temps, Olympique Marseille officialisé l'arrivée de Frédéric Gonzalves comme nouvel entraîneur de l'équipe féminine. Ancien milieu défensif, le technicien franco-portugais, sélectionneur de l'équipe féminine haïtienne jusqu'à date, libre à la portée expertise à club fosséen pour les mener vers la D1 à Kema en première division. Au club marseillais, Frédéric Gonzalves, il va trouver trois grenadières, Tabitha Joseph, Darlina Joseph et Maudeline Moril. Reconnu comme un entraîneur discipliné et ambitieux, le technicien franco-portugais était en difficulté pour lui imposer avec les grenadiers en raison du manque de compétition et des problèmes administratifs au niveau du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, une seule rencontre internationale en 7 mois. Suite à sa nomination comme entraîneur titulaire de l'équipe féminine de l'Olympique Marseille, nous obtenons la décision finale de la Fédération haïtienne de football. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. FNE, c'est une institution de l'État. Lila pour appuyer tout effort qu'a fait dans le domaine de l'éducation. Depuis 2017, FNE paye population en jarret et puis soulager parents yo dans permettre timoun yo joindre bon genre d'éducation dans espace qui respecte normes construction yo. Réparer l'école, conduire chantier l'école dans un pile département. Grâce à l'argent de la 50 centimes sur appel international yo, FNE financier formation et payer professeur, soulager parents de payer l'école Timounio. Institution by l'école yo même, mobilier, un temps coupé ou acte moins. FNE subventionné cantine scolaire pour plusieurs dizaines Timoun l'école. FNE corré études universitaires pour jeunes, les supporter universitaires. Li accompagner étudiants, kit sa ki ici en Haïti, kit sa ki à l'étranger. Accompagnement yo aller dans niveau licence, maîtrise, jouk li rive dans doctorat.
fonds là pour corriger l'éducation dans tout sens dans le pays pour garantir une plus bonne société. FNE, l'éducation n'a pourri, l'avenir n'a pas signé. Selon la Constitution 1987, la souveraineté nationale la chita nan men tout citoyen ak citoyenne yo. Pourtant, dans la société nous, citoyen yo pa ramasse pouvoir yo genyen pour choisir ak surveiller l'État. Pendant l'État li même gen tendance mette yo sous côté dans décision yo. Pendant ce temps, gen yon seri secteur mauvais intention kap kouri derrière moun compétent ak conséquent ki nan pos important yo. Si nous continuons comme ça, l'État fin tourner prisonnier yon ti groupe moun. Faut que nous fassions camper pour nous construire l'autre l'État. Faut que nous prenions engagement pour faire moun kap vin diriger l'État gen préparation, moralité et capacité pour respecter règles jouet démocratie. Qui donc, faut que nous signions un contrat pour gen mezi qui prend pour dirigeant yon bay citoyen yon rapport sur toute action opposée et sur utilisation ressources publiques. CAF, groupe action francophone pour l'environnement, ensemble avec Alternative à Haïti, Mouvement National Citoyen pour Climat, invitez tous citoyens et citoyennes engagés dans la bataille pour faire tout le monde qui voulait diriger le pays, depuis Kazek, magistrat, arriver dans le plus gros poste de responsabilité, signer un contrat pour transition écologique et sociale avant de jouer un bulletin de vote dans quelle qu'il en soit élection sérieuse qu'a fait dans le pays. Changer le système, nan, pas dérégler le climat. Nan moman kriz ak moman la troubla y sa peyi d'Haïti ap viv la, malfekte ap profite fè swadizan informasyon si ki le pou ka mette l'espri ou an boula tcha, ba ou stres, fè ou pe pou yo ka manipile ou. Citoyen, citoyen, se pou rete veyatif, veye fò nouvel, veye dezinformasyon, mache sou pinga ou. Nou bezwen informasyon verifiye pou nou konstruy demokrasi. Medya, jounalist, sitwayen, an kanpe goumen kont dezinformasyon. Se yon misaj proje konbit pou bonjan demokrasi ak sipo Organizasyon Internasyonal Francophonie ak Union Européenne. Mesaj sa pa angaje ni Union Européenne ni Organizasyon Internasyonal Francophonie. Me zami Dr. George, apam tande se kolera ki touye piye wo, te kwa mte tande maladi sa a te pase? Pase, Madame Jean. Non mache, apre kolera te fin disparet pendant yon bon bout de temps, li retourne a fè dega ankor. Mais comment pou nou barre kolera, Dr. George? Sa facile. De pou servi ak glo trete pou bo epi manje, lave menon ak glo ak savon, si tou le ou sote nan toalet ak avan ou manje, kolera pa bjwen nou wout pou rentre sou. La barre, bien barre. Eh bien, pa gen problem. Nou tout kon bagay sa yo deja. Konel se yon, men eske nou fe yo? Bon, nou fe sa nou kapab. Se pa fe sa nou kapab, non? Yon sel green fwa kont pou kolera rentre sou. Konel se yon, men se pou nou pran prekosyon toutan. Sonje, kolera reparet, se nou tout ki pou baril. Se te yon mesaj, MSPP ak patnel yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Yo bo, te kon di msi dam sa gen jem vi si dan ansel, bon, koman l fè an fòm kon sa amin? Tou ka bo, lè mò zan fòm fwe, ba prive non papa, pou kon se pa ka pon. Mouche. Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen vi si da, se tan konen pot maladi konen kwi, tan kou, maladi ke, psik, tansyon,
Et puis tout, les pi moun nan pye pran médicament, la mené vie familiale, aller l'école ak travail normalement, oui. Crété Régine, comment fait kon tout bagay sa yo? Maman le docteur, oui. Crété, ou gen oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujours bien pran médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est un couvrir cela te disparaît dans sang. Oh. Disparaît dans sang même, ça veut dire, il pas gagné encore, il est toujours gagné. Mais grâce à ce médicament ARVO, quand c'était virus qui dans sang devient tellement petit, test à examen laboratoire pas même river détecter. Mais faut que il toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire une pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti crase VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Boukounia sous plan international. Oscar Viegas, le nommé vendredi, nouveau sélectionneur de l'équipe de la Bolivie après l'éviction du Brésilien Antonio Carlos Zago au lendemain de la finale de la Copa América. Bolivien a fini dernier groupe CA avec 3 défaites en autant de matchs. Son successeur, Oscar Viegas, lui, âgé de 54 ans, était entraîneur des clubs boliviens de Bolivar et Always Ready. Libre à l'entraîner ses nouvelles fonctions à l'occasion des 2 prochains matchs de qualification dans la zone sud pour le Mondial 2026 contre le Venezuela le 5 septembre à La Paz, puis contre le Chili le 10 septembre à Santiago. Le calendrier de la 7e et prochaine journée, il va le faire le 5 septembre prochain. Par gain Bolivie, justement, qui a recevoir Venezuela. Chili a déplacé pour aller rencontrer l'Argentine. Attention. Uruguay a accueilli le Paraguay. Pérou a recevoir la Colombie. Et puis Brésil doit recevoir l'équipe Équateur. Là. Classement après cette journée. Premier, c'est l'Argentine, 15 points. Deuxième, Uruguay, 13 points. Troisième, Colombie, 12 points. Quatrième, Venezuela, 9 points. Cinquième, Équateur, 8 points. Sixième, Brésil, 7 points. Septième, Paraguay, 5 points. Huitième, Chili, 5 points. Neuvième, Bolivie, 3 points. Dixième, Pérou, 2 points. À l'issue des éliminatoires, c'est 6 premiers qui va qualifier directement pour la Coupe du Monde. Septième, nombre à jouer. Le barrage intercontinental. Et puis en Amérique du Nord, Inter Miami, il impose les 2-1 samedi à Fort Lauderdale contre Chicago Fire, toujours sans Lionel Messi blessé, et conforte sa place de leader de la conférence S et de la Major Soccer League. Le milieu paraguayen Matias Rojas fait d'abord bat l'avantage à Floridien très tôt, en 6e minute, avant que l'Espagnol Jordi Alba fait augmenter le score là à la 75e minute après l'égalisation du défenseur Rafael Siscos. 73e minute pour Chicago Fire, avec nouvelle victoire ça, Inter Miami affiché un bilan de 16 succès, 4 défaites et 5 nuls, pour un total de 53 points qui placent en tête de la conférence S de la MLS. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, dans mes auditeurs cyclisme, Tadej Pogacar, il a remporté dimanche son 3e Tour de France, son nouvelle victoire d'étape, sa 6e dans cette 111e édition, lors du contre-la-montre final entre Monaco et Nice, déjà vainqueur en 2020 et 2021, Slovène, qui devançait le Danois Jonas Vingegaard dans le chrono, est venu le premier coureur qui réalisait le doublé Tour d'Italie, Tour de France, même année depuis l'Italien Marco Pantani. Tennis, l'Espagnol Rafael Nadal, 261e mondial, il bat dimanche, alors il est tombé, et dimanche en finale du tournoi de Bastad en Suède, et c'est Portugais Nuno Borges qui bat le 51e mondial en 2-7, 6-3, 6-2 en moins d'une heure et demie. Ancien numéro mondial va participer au tournoi de tennis des JO de Paris qui va le fête 26 juillet au 11 août, qui donc défaite de Rafael Nadal en finale du côté de Bastad. À Hambourg, c'est le Français Arthur Fils qui remporte le trophée. Elle y bat en finale l'Allemand Alexander Zverev en 3 matchs, 6-3, 3-6, 7-6. À 11 semaines des JO de Paris, le Français lui fait entrer dans le top 20 et lui conclut de la meilleure des manières sa préparation pour les JO. Puis le Français Quentin Alice
et 192e mondial qui a disputé sa première finale sur le circuit ATP n'a rien pu faire face à l'Italien Matteo Berrettini, 42e mondial, dimanche au tournoi de G-Stade, en dimanche 6-3, 6-1 Berrettini, ancien numéro 6 mondial, remporté quant à lui-même son deuxième tournoi lead dans, à G-Stade après l'édition 2018 et son 9e titre depuis ses débuts professionnels. Basketball pour nous finir, le Soudan du Sud est passé tout proche d'un exploit contre les quadruples tenants du titre américain en préparation des JO Paris 2024 samedi à Londres 101-100. Les coéquipiers de Vinyen Gabriel ont mené au score à 9 secondes de la fin du match avant que LeBron James ne marque le lay-up de la victoire. 23 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour offrir un succès à l'arraché à Team USA. Après un début de match historique et 58 points à la pause, 50% de réussite à 3 points en première période, les Bright Stars ont gagné 14 points d'avance avant le début du troisième quart-temps, mais sous l'impulsion du vétéran de la sélection américaine en quête d'un 17e titre olympique à Paris, les Américains ont recollé pour refaire leur retard avec un cinglant 18-0 entre le troisième quart et le quatrième quart-temps. Pourtant, les Sud-Soudanais n'ont pas baissé les bras en restant en contact avec avant de reprendre l'avantage à 20 secondes du buzzer final. Son tir primé de JT Thor. Mais la dernière possession de la sélection africaine n'a pas trouvé l'assaut américain après un flotteur raté de Khalid Jones et une belle défense d'Anthony Edwards. Les deux équipes vont retrouver le mercredi 31 juillet dans le groupe C du tournoi olympique des JO de Paris 2024. En revanche, qui promettent un bel spectacle devant le public de la Decathlon Arena à Villeneuve-d'Ascq. Le Soudan du Sud va disputer ses premiers Jeux olympiques alors que sélection y existait depuis 2011. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui était dominé actualité sportive sur le plan national, l'écologie funéraire nationale samedi dernier à l'église Saint-Pierre-Pétionville pour l'ex-international haïtien Serge Ducosse qui quittait nous à l'âge de 80 ans. Sport et assistance vers les Jeux Paris 2024 et les Jeux Paralympiques Paris 2024, le gouvernement bat une subvention 10 millions de gouttes à la Comité Olympique haïtien, 6 millions de gouttes à la Comité National Paralympique. Là. Football, l'entraîneur sélection féminine là, depuis 7 mois, Frédéric Gonzalves, avec l'équipe féminine 2e division olympique Marseillan. À l'étranger, tennis, tournoi de Bastade, de Hambourg et de G-Stade. Le trophée pour Nuno Gomes, Arthur Fils et Matteo Berrettini. Cycliste en souverainant, Tadej Pogacar a remporté 111e édition Tour de France. Basketball, le match préparation pour JO Paris 2024. États-Unis battent Soudan du Sud très difficilement sur le fil 101-100. Football, Oscar Viegas, ses nouveaux sélectionneurs à la Bolivie. En passe brésilien, Antonio Carlos Zago. MLS, sans Lionel Messi, Inter Miami bat Chicago Fire, 2-1 samedi soir pour les prendre tête classement conférence Est. C'est sur notre ça que nous mettons en bout à l'espoir dans mes auditeurs. Merci en PL pour fidélité. Merci à collaborateur nous et Michel Pierre qui était dans la réalisation. Dans le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alteradio 106.1 à alteradio.org. Édition générale, ça n'a bien mis un podcast Alteradio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, il est frais, nos affaires radio. Program Alter Radio sou internet se sankanpi 24 sou 24. Se sankanpi. Konekte sou TuneIn ak Zeno 24 sou 24. Koute. Koute. Abone. Abone. Pataje. Pataje. Koute Espace Femme Magazine sou Alter Radio.
Cash Espace Femme Magazine, c'est un rendez-vous information sur tout sujet qui concerne les femmes. Les sorties jeudi à 7h matin, les repasser samedi à 10h après-midi. Espace Femme Magazine sous Alter Radio, captez-nous sous 106.1 FM, sous diverses plateformes internet et sous site nous alterradio.org.
Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Élection commencé prend une place importante dans l'actualité, mais il y a un gros problème qui doit joindre un commencement solution au moins pour droit citoyen et citoyenne pour participer dans l'élection capable de respecter. Si l'élection t'a fait jeudi, c'est seulement 3 mounes sous 10 qui t'a branché même bureau vote d'après une enquête publicité avec Internews. Résultat sorti 15 juillet dans Port-au-Prince. Nan rizon ki fè moun yo pata interese al vote, se problem insekurite. Yon lot eleman important, se mefians. Selman 2 moun sou 100 fè sistem elektoral la konfians. Ki sa pou ta fèt pou vire tendans sa epi mete sitwayen ak sitwayen yo an konfians? Alter Radio. Travay personel sante yo, se sove la vi. Soulaje soufrans blese ak malad yo. Kelke swa kote, yo soti, nan tan kalm, ou swa nan tan violans. Amwe! Amwe! Gen moun ki pran bal la, ou yap bay an pisan! Yap mouri, ou si yo gen moun pa pote yo segou! Ou te bloke? Yap tire tout kote! Mese, medam, pa atake ambulans yo, an nou respecte blese yo. Kite yo pase ak tout personel sante yo. An nou ede yo epi respecte yo. Me ambulans lan! An nou ede sekouris yo jwenn blese yo, pi fasil. Fok nou respekte la vi viktim yo ak dignite yo. Se yon devwa pou tout moun. Nou pa dwe jam atake sekouris, ambulans ak tout lot kote ya bay soin tankou l'opital. Sant sante yo, ni pa empêche yo fonksyone. Sinon, yo pap ka ede si la yo ki plis bezwen ed. Nou dwe proteje yo paske yo la pou sove la vi. Demen, se ka la vi pa yo, o soyon pwoshou. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Pour promouvoir votre entreprise, vos produits et services, il n'y a pas mieux que nos canaux de diffusion fiables et reflétant les sensibilités de vos clients. Retrouvez en notre plateforme multimédia Alter Radio et Alter Press ce trait d'union. Contactez-nous au 28 16 01 01 ou par email alterradio@medialternatif.org. alterradio@medialternatif.org. Actualité politique, économique, sociale, culturelle, ici, l'autre bonne frontière à l'autre bonne l'eau. 24h, journal Alter Radio. Li soti a 6h di swa, li pase tou a 10h di swa, minuit, 4h ak 5h di matin epi midi. 24h.